Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes lundi matin, nous terminons notre première semaine de confinement. Et je voudrais ce matin tout d'abord adresser un message de soutien, de sympathie, présenter toutes nos condoléances à notre ami Eric Benamou qui a perdu son papa. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse permettre à cette Neshama de s'élever très haut et qu'il épargne l'ensemble du peuple d'Israël de toute épreuve de ce genre. Pour le cours de ce matin, je voudrais que notre Dvar Torah soit pour la Refoua Shelema de Liaou Ben Salcha Levi, de Céline Rachel Bat Janine Hana, d'Esther Bat Baya, Raphaël Ben Hana, Mahlouf Ben Yona, Mesroda Bat Bela, Myriam Bat Rachel, de Madame Serfati, de Shimon Ben Mahlouf, de Dvora Bat Aziza, d'Eliaou Ben Doli Zouira, d'Avraham Ben Mesrodi Aferiat, de Yehuda Ben Avraham Narboni, de Shimon ben Avigael, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Rachma, Soliga bat Alia Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Hana, et Devlin bat Rivka. De la même façon, je voudrais que ce cours aille pour l'élévation de l'âme de Zora Georgette bat Esther, de Félix Saadani, Ben Emma Simcha, Mesroda Bat Laetitia, Geneviève Rachel Bat Alyosha Goldberg, Marcel Mesrod Ben Simi, Yehuda Ben Pinina, Eli Ben Hana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aharon Ben Sulika, Nina Bat Kati Matsliya Ribet Politi, Léa Rivka Bat Rachel, Chai Victor Ben Yakuta, Roger Chai Baru Ben Avram Koskas, Yehuda Bar Alia, Avram Ben David Ve Esther, et de Pinchas Ben Shmuel Hakohen. Comme je le disais, nous terminons ce matin la première semaine de confinement avec toutes les difficultés que cela représente. Sachez que d'un point de vue psychologique, bien évidemment, la situation de l'homme qui se retrouve enfermé chez lui n'est pas une situation idéale. Ce n'est pas une situation dans laquelle nous arrivons à trouver notre épanouissement comme nous le faisons généralement à l'extérieur, à travers nos activités professionnelles par exemple. Et nous nous retrouvons donc confinés avec nos épouses, nos époux, nos enfants, chose que nous n'avons pas l'habitude de faire généralement et dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aussi longtemps. Messieurs, mesdames, chers parents, soyez vigilants. La colère pourrait s'exprimer, des gestes déplacés, un énervement qui serait beaucoup plus exacerbé que d'habitude. Faites bien attention à protéger la cellule familiale, à ne pas vous laisser emporter, à ne pas laisser la colère, l'énervement prendre le dessus. Faites attention, ménagez le lien avec vos épouses, ménagez le lien avec vos enfants, parce que c'est dans ces périodes-là que nous avons besoin, au contraire, de garder la maîtrise de tous nos traits de caractère et de ne pas laisser ni la colère, ni les énervements, ni les gestes déplacés prendre le dessus. Et si bien sûr j'attire votre attention sur cela, c'est parce que, malheureusement, en tant que rabbin et avec les autres collègues rabbins, nous entendons que dans certaines familles, les choses sont particulièrement difficiles. Soyez vigilants, s'il vous plaît, et protégez votre cellule familiale au maximum. Pour l'étude de ce matin, je vous propose un enseignement de l'Agmara de Brachot. Rabban Yochanan ben Zakkai, à propos d'un très grand maître, célèbre, qui porte le nom de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était un des plus grands maîtres de la génération à l'époque de la destruction du deuxième temple de Jérusalem. C'est lui qui a eu ce coup d'éclair de génie au moment où le temple était sur le point d'être détruit, de tout de suite chercher le renouveau du peuple d'Israël. Non pas à travers le service du temple, comme cela existait jusqu'à présent, il n'y avait rien d'autre. À peu près rien d'autre que le service du temple à l'époque. Il n'y avait pas encore de centre d'études de Torah. La vie juive était concentrée uniquement sur le temple de Jérusalem. On y allait pour les fêtes de pèlerinage, on y allait pour faire les sacrifices, on y allait pour voir les Kohanim effectuer leur service quotidien, mais il n'y avait pas tellement d'autre chose que cela. Au moment de la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a une analyse incroyable. Il se dit, si à ce moment-là, il n'y a plus de temple, le peuple d'Israël risque de disparaître. Il n'y aura plus rien au sein du peuple d'Israël. C'est pour cette raison que c'est lui qui a été le premier à chercher une nouvelle source d'inspiration et de construction pour le peuple d'Israël, qui a été tout simplement l'étude de la Torah. Il a développé l'étude de la Torah comme jamais. Et il a mis la Torah au niveau
de l'ensemble des fidèles du peuple d'Israël. Il n'a pas concentré cela entre les mains des Chachamim, mais il a cherché au contraire, à travers une école qui est l'école de Yavné, la ville de Yavné, eh bien, il a développé un centre de Torah avec la formation de maîtres de Torah pour qu'ils puissent ensuite diffuser et transmettre la Torah à l'ensemble du peuple. En tout cas, on nous raconte qu'Asher Chala et Trolio à Aharon, lorsqu'il était sur son lit de mort, malheureusement, et qu'il était sur le point de quitter ce monde, et qu'il était en train de donner ses derniers souffles de vie, Nirnesu Talmidav Levakero, ses élèves se sont rapprochés de lui et lui ont demandé une chose. Ils lui ont dit, Barechenu, Rabbenu, notre maître, s'il vous plaît, faites-nous une dernière bracha. Bien évidemment, ici, il ne s'agit pas simplement d'une bénédiction. Quel est le dernier message que vous voulez nous transmettre avant que vous quittiez ce monde? Vous nous avez tout transmis. Pendant des années, nous avons été vos élèves. Mais maintenant que vous êtes sur le point de mourir, quel peut être le concentré, le condensé ultime de l'ensemble de vos enseignements? Quelle est la dernière bracha, la dernière parole de Torah que vous pouvez nous transmettre? Amar Lahem, et voici la réponse de Rabban Yochanan ben Zakkai, Ragzot Omar Lachem. Une seule chose, je peux résumer tout le lien avec Dieu sur un point. Sheyehi Ratson, Milifne Avinu Sheva Shamaim. Je prie l'Éternel, Shetiye Lachem, pour que vous puissiez être capable, vous, être en mesure, Shetiye Lachem Yirat Shamaim, que la crainte que vous pouvez ressentir du ciel soit aussi développée que la crainte que vous pouvez ressentir vis-à-vis de votre prochain. Je répète, que la crainte du ciel soit aussi importante à vos yeux que la crainte que vous pouvez ressentir vis-à-vis de votre prochain. Atalmidim shayu be'atzmam gedolei Torah, les élèves, lorsqu'ils entendent cette bénédiction, ce résumé de l'enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai, sont extrêmement surpris. Rabbenu, Atkan bilvad, Atam evachenu, c'est tout ce que tu nous souhaites, que la crainte du ciel soit équivalente à la crainte que nous pouvons ressentir de notre prochain, mais ça ne semble pas être exceptionnel. On devrait nous dire que la crainte du ciel soit bien plus développée que la crainte que nous avons vis-à-vis de notre prochain. Que le lien avec Dieu soit un lien exceptionnel, empreint de spiritualité, comme jamais, et que toi, notre maître qui est sur le point de mourir, tu nous demandes d'avoir le plus grand lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais nous dire simplement que la crainte du ciel soit équivalente à la crainte que nous pouvons ressentir vis-à-vis de notre prochain, ça nous semble pas être grand-chose. Amar Lahem Rabban Yochanan ben Zakkai, devant l'étonnement de ses élèves, Rabban Yochanan ben Zakkai dit « Alvaï, si déjà vous êtes en mesure de le faire et d'atteindre ce niveau-là, ça serait exceptionnel. Alvaï chez Tiskou le Madrega Zo, chez Yalechem Ora O, chez la Kadosh Baruch Hu, Kefi Shatem Yireimi Bene Adam. » Vraiment, je vous souhaite que vous arriviez à ce degré-là. Kiafilumi Shema Gia Rak le Madrega Zo, Areim Atsilato Me Averot Rabot. Parce que si déjà vous êtes en mesure d'atteindre ce degré-là, je peux vous garantir que vous n'arriverez jamais à commettre la moindre faute, ou pratiquement aucune faute. Aussi, Rabban Yochanan ben Zakkai, et Rabban Yochanan ben Zakkai va plus loin dans son explication. Il donne des exemples de notre vie au quotidien. L'ifamim Adam Ose Avera. Il peut nous arriver de commettre une faute. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres de chair et de sang, avec un Yetzer Hatov, mais aussi avec un Yetzer Hara. Et nous vivons dans un monde qui a toutes sortes d'attraits et d'attirances. On nous dit, et donc l'ifami, Madame Ose Avera, il peut nous arriver de commettre des fautes. Arba Seter, mais ces fautes-là, la plupart du temps, nous les commettons dans la discrétion, en secret, lorsque nous sommes face à face avec nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas envie que nos voisins nous regardent, nous voient
et leur regard porté sur nous lorsque nous sommes en train de commettre une faute. Pourquoi ? Parce que ça va retirer notre estime de soi vis-à-vis des autres. Et l'homme vit en société. L'homme est extrêmement vigilant sur l'appréciation que les autres peuvent avoir sur sa propre personne. Donc lorsque je vais commettre une faute, je ne suis jamais très fier de commettre ma faute. Je n'ai pas envie que les autres sachent que je commette une faute. Alors je vais la commettre, mais discrètement, cachée du regard des autres. Mais ce qui est terrible, c'est que lorsque je me cache pour commettre une faute, cela témoigne que finalement, je fais plus attention au regard porté par les autres sur mon comportement que le regard porté par Dieu sur mon comportement. Parce que le regard de Dieu n'est jamais effacé de ma réalité. Le regard d'Akadosh Baruch Hu ne se détourne jamais de mon comportement. Il n'y a pas un lieu sur terre où je puisse me dire « Ah ben là maintenant je suis tranquille, personne ne me voit ». En réalité, les autres ne peuvent pas me voir, donc je me protège du regard des autres. Mais je sais bien que le regard de Dieu est toujours ouvert, qu'il est toujours rivé sur mon existence et sur mon comportement. Donc, ça veut dire que je ne prends pas en considération la crainte de Dieu. Je ne prends en considération que la crainte du regard des autres. Mais je ne crains pas le regard de Dieu. Et donc Rabban Yochanan ben Zakkai nous dit, vous voyez, j'ai raison. Je souhaite qu'une seule chose dans votre existence, que la crainte d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle soit équivalente à la crainte que vous pouvez avoir de votre prochain. Parce que si vous arrivez à ce degré-là, cela signifiera que vous prendrez toujours en considération qu'Akadosh Baruch Hu a un regard ouvert sur vous et que du coup, cela vous, devrait vous empêcher de commettre des fautes. Atana Ayashish, Alach Leolamo, vous rendez compte que Rabban Yochanan ben Zakkai, le maître de la génération à l'époque donc du deuxième temple de Jérusalem, il va quitter ce monde sur ce dernier enseignement. Il va avoir son dernier souffle de vie en transmettant ce dernier enseignement. Que nous soyons capables d'avoir au même niveau la crainte de Dieu que la crainte de notre prochain. Makavanato. Klal gadol ou bedarke a nefesh, en idrosh me adam, lemale me sima shena lefi kochota vutrunota. Malgré tout ce que nous venons d'expliquer, nous pouvons rester quand même sur notre faim et être surpris en disant, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu espérer d'un maître de Torah aussi grand que cela, d'avoir un enseignement de vie plus élevé, plus puissant, d'avoir un lien avec Dieu lié à la spiritualité, à l'élévation de l'être humain? Mais finalement, nous avons l'impression que tout est très limité dans son approche. Il nous parle de la crainte de Dieu, qui doit être équivalente à la crainte de l'être humain. Oui, l'enseignement est beau, mais il n'a pas l'air tellement exceptionnel d'un point de vue spirituel, ce n'est pas, il ne nous a pas propulsé dans un monde de spiritualité exceptionnel. Et là, en réalité, en prenant du recul, nous pouvons voir quelque chose d'extrêmement intéressant. Qu'on ne demandera jamais à l'être humain d'atteindre des choses qui sont totalement inaccessibles. Lorsqu'un maître s'adresse à ses élèves, il doit être capable, il doit être en mesure de transmettre un enseignement qui est dans la mesure du possible, entre les mains de, ses élèves. Il ne peut pas exiger d'eux quelque chose d'inaccessible. Quelque chose, en réalité, qu'on ne pourra atteindre que parce que c'est déjà dans notre nature. Ça fait déjà partie des traits de caractère de l'être humain. Les firach amar lahem Rabban Yochanan ben Zakkai, kien adam tsarich lechadesh ben nafsho et echunat hayira. Il nous dit, dans le degré de la crainte de l'Éternel, il ne faut pas chercher des choses qui sont inaccessibles, renouveler une énergie incroyable de spiritualité. Pas besoin de chercher si loin. La crainte, puisque c'est le sujet qu'il a voulu, qu'il a souhaité transmettre, la crainte est un trait de caractère que nous ressentons tous, que nous connaissons tous. Parce que depuis que nous sommes enfants, nous apprenons à craindre les choses. La nature de l'être humain fait que nous craignons des choses. Nous craignons nos parents, nous craignons certaines choses, nous craignons le regard des autres. C'est une crainte naturelle, c'est un sentiment naturel enfoui en l'être humain. Et donc il nous dit, Léa Total et Kibuna Nachon, la crainte, tu l'as, elle est en toi cette crainte. Quelle est la crainte que tu ressens naturellement depuis ta naissance? C'est la crainte de l'autre,
la crainte du regard de l'autre. Eh bien, dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, je veux utiliser ce même sentiment qui existe déjà en toi. Je ne te demande pas quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui existe déjà en toi pour l'orienter, la canaliser, canaliser ce sentiment et le mettre au service de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Uniquement quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a déjà implanté en toi, c'est-à-dire un sentiment naturel de crainte vis-à-vis de son prochain. Tafkido shel mechaner veshel ore ou la mode alteva yeled. Et on peut encore extrapoler et voir les choses de manière encore plus large. Rabban ben Yochanan ben Zakkai est un maître. Et un maître n'est rien d'autre qu'un enseignement, un enseignant. Et nous avons là finalement un message qui est donné à tous les enseignants et à tous les parents vis-à-vis de nos propres enfants. L'armod al teva hayeled, notre devoir en tant qu'enseignant, en tant que maître, en tant que rav, en tant que père, en tant que mère, notre devoir, l'armod al teva hayeled, c'est de connaître parfaitement la nature de nos enfants. Les akir et terunotav, et de reconnaître ses traits de caractère premiers, enefitivo, enefigilo, et de mettre en perspective les choses selon sa nature et selon son âge. Ou le oded auto, le anbit et kochot akayamimlo, et lui exiger des choses qui correspondent à sa nature et qui correspondent à son âge. Il y a un enseignement célèbre d'un grand maître qui est Rabbi Shlomo Volbe, qui est l'auteur du Haléchour, et qui nous dit « Ki en lechaner yeled negativo » Nous ne pouvons pas éduquer nos enfants en dehors de sa nature. Et là, avodat achinuri, lenatzel le tova et a teva vetechunotav shel hayeled. Que tout l'enjeu de l'éducation et d'utiliser la nature de l'enfant qui est face à nous et d'exploiter ses traits de caractère naturel pour les mettre au service de la Torah et au service d'Akadosh Baruch Hu. Keshem sheyefshar lishbor ternotivriot, de la même façon qu'il n'est pas possible de briser un trait de caractère naturel qui est dans le cœur de l'être humain, mais que nous ne pouvons que l'orienter et sublimer le trait de caractère, le mettre au service d'Akadosh Baruch Hu, car Yevchar les daleg al-shlavé. De la même façon, on ne peut pas faire l'impasse sur les traits de caractère naturels qui se développent dans la nature de l'être humain et de l'enfant ou de l'élève en question. Misiono ravashani mechinuchu kotev. La shav tochot imahot zerizot leargil et yeldehem bidvarim shemitzat gilam terem bahazman. Et c'est en vain que les professeurs, que les éducateurs, que les parents cherchent à mettre en place chez un enfant ou chez un élève un trait de caractère qu'il ne possède absolument pas. Soit parce que ce n'est pas sa nature, soit parce que ça ne correspond pas à son âge. Il n'y a pas d'âge standard pour chaque enfant. Être en mesure d'être à l'écoute de la nature de nos enfants et d'exiger d'eux que des choses qu'ils sont en mesure d'appliquer. Parce que sinon, nous allons briser leur caractère, nous allons briser leur nature et nous allons exiger des choses qu'ils ne pourront pas réaliser. Et donc, ils vont perdre leur estime de soi parce qu'ils sont confrontés en permanence face aux échecs, puisqu'ils ne sont pas en mesure de réaliser ce que nous exigeons d'eux et ce que nous espérons d'eux. Donc, en réalité, nous devons non seulement connaître la nature de l'être humain, mais connaître la nature de l'être humain qui est face à nous, de l'enfant, de l'élève, de l'homme qui est face à nous, pour mettre en évidence ce qu'il possède déjà. Et pour que grâce à cela, il puisse avoir l'estime de soi, une satisfaction, en se disant « je réussis à faire telle ou telle chose et je suis fier de réussir les choses en question ». Elles ne sont peut-être pas exceptionnelles ces choses-là, certes, mais elles me correspondront véritablement. Et c'est ce que nous apprenons de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il aurait pu demander des choses exceptionnelles, incroyables, de servir Dieu avec une spiritualité exceptionnelle. Mais il ne demande pas ce genre de choses. Il demande que des choses accessibles. Et qu'est-ce qui est accessible? C'est tout simplement se dire, lorsque tu dois servir Dieu, sers-le et crains-le de la même façon que tu es capable de craindre un être humain. Et ça, nous savons tous le faire.
Si tu es capable de faire cela, alors effectivement, tu arriveras à trouver un épanouissement dans ta façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Halakha du jour, toujours sur l'halakha de la fête de Pessah, dont nous avons, vous avez pu le remarquer, donc deux études sur la fête de Pessah. Nous avons un cours complet, exclusivement consacré au halakha de Pessah dans les moindres détails. Et puis le matin, à la fin de notre Dvar Torah, nous avons toujours aussi une petite halakha sur la fête de Pessah. Et nous apprenons ce matin Shechar. Nous parlons maintenant, ce matin, d'alcool pendant la fête de Pessah. Shechar anase michitim useorim. On peut obtenir, bien évidemment, vous le savez tous, de l'alcool à travers, grâce à des céréales. Distiller des céréales, que ce soit du blé ou bien de l'orge, avec la bière par exemple. Eh bien, on va nous dire, ce produit-là que nous allons récupérer sur la base d'une céréale, dinam kemamacho shel chametz atzmo. Le statut du liquide que nous allons récupérer, donc de l'alcool que nous allons récupérer, a exactement le même statut que la céréale d'origine. C'est-à-dire que si la céréale est une céréale chametz, alors l'alcool que nous allons récupérer sera également considéré comme du chametz. Même s'il n'y a plus, vous allez me dire, mais il n'y a plus de céréales. Je suis loin de la céréale, je suis sur un liquide. Et là, l'Halakha nous dit, oui, mais ce liquide n'est rien d'autre qu'un procédé qui émane, qui découle d'un travail qui a été effectué sur la céréale en tant que telle. Et donc, si la céréale est chametz, le liquide que l'on va récupérer sera également considéré comme chametz. Ayosetvina chametz, arioukhe chametz. Tout ce qui émane du chametz est considéré comme du chametz, a exactement le même statut halachique que le chametz. Velachen, mashkeze chaya beviur. Et donc j'aurai l'obligation de détruire ce liquide, cet alcool, de la même façon que j'ai l'obligation de détruire le chametz en question avant Pessah. Ve imlobier mashkeze ou mashé otobe Pessah ou velbevalire ou valiematze. Et si jamais je ne me suis pas débarrassé de cet alcool, mais que je le garde dans ma possession, sans le vendre également par l'acte de vente, le pouvoir de vente que je confie au rabbinat, eh bien, si je le garde tout simplement dans mon placard, même si je ne le consomme pas, cet alcool, ce sera une transgression de l'interdit de posséder du chametz pendant Pessah. En lishtamej bemashkot harifim ela imken, yesh lahem hashgacha miyuchedet le Pessah. Et donc, puisqu'il y a toutes sortes d'alcool qui émanent directement d'une céréale interdite à Pessah, c'est pour cette raison qu'à Pessah, je ne peux pas me permettre de consommer un alcool qui ne soit pas avec un tampon de cacheroute sur la fête de Pessah. Je ne peux pas me contenter de mes propres connaissances en me disant « Mais non, mais très certainement que cet alcool-là ne provient pas d'une céréale qui soit chametz. » L'Halakha nous dit « Attention, attention, nous avons une obligation, même pour les alcools, d'avoir une vérification de qualité sur le tampon de cacheroute qui sera apposé sur le produit. » Chametz nidbashel bedavar acher, kodem apesar, ve'en betashil shishim kenegen chametz, atavshil asur ba'achila min haTorah. Eh bien, ce que nous disons sur l'alcool, nous pouvons l'extrapoler de manière générale. Si je fais une cuisson à base de chametz, c'est-à-dire que je fais bouillir, par exemple, du blé avant Pessah, eh bien, ce liquide qui va sortir de cette cuisson, ce liquide sera considéré comme étant chametz. Même si je retire le blé en question, même si je retire la céréale et qu'il n'y a plus la moindre trace de céréale à l'intérieur du liquide, eh bien, malgré tout, ce liquide sera considéré comme étant chametz. C'est exactement le même raisonnement que pour de l'alcool. Lorsque je fais passer ma céréale et qu'elle se transforme en alcool, il n'y a plus de céréale à proprement parler. Il n'y a plus de traces de blé, si ce n'est bien évidemment le produit qui est la résultante de tout le système de distillation de l'alcool. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons comme d'habitude à 13h pour notre deuxième cours de la journée. À très bientôt.